Je vous en avais parlé, c'est une vidéo sur laquelle je vais revenir sur le positionnement de toutes les unités du 7-11. Et du coup, je suis avec Yaroi, un joueur avec qui j'ai l'habitude de train sur le jeu régulièrement, qui a fait les EMEA, donc les championnats d'Europe déjà dans le passé. Un joueur vraiment de haut calibre sur le jeu, côté français en tout cas. Il va m'aider du coup à faire cette vidéo sur laquelle on va parler de toutes les unités, de comment bien optimiser leur positionnement. On va commencer par Harry. De base, on a plutôt envie de la mettre dans un corner parce que c'est un carry. Le problème quand on fait ça, c'est que comme elle a de l'AOE, elle va taper ce Garen là par exemple, mais elle va taper celui-ci aussi en AOE, mais du coup, elle touchera pas le dernier. Alors que si on positionne en face, du groupe, vraiment au milieu du groupe, vous allez pouvoir toucher les trois unités en même temps. Caitlyn, c'est un sniper, donc Kog'Maw, ça va être la même idée. Quand vous allez les positionner, vous allez vouloir que ce soit le plus loin possible du pack adverse, avec votre frontline un petit peu excentré comme ça, dans l'idée que, en early game en tout cas, la Caitlyn tape loin du pack adverse. Shogat. Là, si t'es ici, c'est bon. Si t'es une case à droite, c'est pas bon. Là. Oui, et vu que c'est un tank à shield, tu veux qu'il se fasse entourer et qu'il essaye d'appliquer le cône plus d'unités possible. Sachant que c'est pendant 9 secondes, donc c'est quand même long. Son burn, ouais. Donc c'est quoi l'idée? Qu'il y a deux mecs en face de lui, entouré ça sert à rien. Ouais. Et sachant que vu que c'est un utilitaire, le but c'est pas qu'il se fasse atomiser non plus. C'est bien qu'il puisse casse deux fois. Darius, moi j'aime bien le mettre comme ça là. Genre le mettre un peu en arrière parce que j'aime pas qu'il prenne le DPS trop tôt. S'il a une BT, une Titan, ok, mais sinon. Oui, sans item, tu commences toujours deuxième ligne, mais sinon souvent t'as la BT, la Titan, plus Ombral. Du coup, tu peux te permettre de le mettre en première ligne et il aura un DPS plus intéressant. Ouais, surtout s'il peut se faire entourer par des unités. Ouais, parce qu'il a une AOE avant de commencer à faire vraiment son cast. Garen, je pense que c'est assez simple. Après, c'est pas le meilleur tank du jeu nécessairement. Garen, simplement, c'est un Warden. Du coup, on essaie qu'il prenne le plus de dégâts possible au début du fight, puisque ensuite il servira un peu à rien. Sauf en early, s'il upgrade, il pourra faire un peu de dégâts. Mais parce que les Warden, du coup, pendant les 10 premières secondes du fight, tank plus. Du coup, c'est sûr que ouais, on veut qu'il tank beaucoup. On veut pas le mettre trop derrière nécessairement. Jax, c'est la même idée. Après, Jax, lui, pour le coup, s'il est niveau 2 et qu'il a des items, on peut peut-être faire en sorte qu'il soit entouré. Ouais. Si à côté de ça, on va venir, c'est pas. Pourra faire un peu de dégâts avec. C'est ça. Donc si on joue genre Yasuo, Darius, peut-être qu'on a envie de backline un petit peu les unités pour qu'il y ait d'autres unités adverses qui l'entourent. Donc ça c'est les unités adverses, on va dire qu'elles vont l'entourer comme ça et du coup il va faire plus de dégâts autour. Sachant que Jax aussi il stun sa cible principale, donc ça peut être intéressant de le mettre devant le tank adverse ou imaginons un Darius en face pour essayer de le ralentir. Ouais, un gros DPS en face, mettre le Jax vraiment en face, il va toujours stun qu'une seule de ses cibles, la cible qu'il est en train de focus et les autres vont juste prendre des dégâts mais vont pas se faire stun. Kha'Zix, moi je dirais qu'il est juste squishy, souvent on va le jouer dans les setups early game avec Malphite, il est juste assez squishy donc on n'a pas envie qu'il se fasse DPS trop tôt. Plus il peut faire de cases dans un fight, plus la chance de faire de kill, c'est vraiment un perso qui a tendance à bien clean ses cibles. Moi je dirais qu'on le met toujours un petit peu en retrait si on peut. Après split le DPS en early game ça peut être bien aussi. Il y a un trick important sur Kha'Zix. Ce que tu peux faire avec Kha'Zix, il dash toujours à la cible qui a le moins d'HP dans 3 cases. Sauf que s'il commence le combat au milieu du board, il arrivera jamais à dasher sur les sides. Alors que s'il commence derrière, dans le QB par exemple, il va avancer. Là il va aller taper sur Garen. Ouais. Et ensuite il pourra sauter sur une Harry qui est en backlane ou n'importe quelle autre unité. C'est ça, quand vous reculez un peu vos unités, souvent elles vont faire un peu un contour. Et donc si vous positionnez bien par rapport au tank adverse, c'est-à-dire que par exemple là si les Garen sont là, bon, il ne va pas se passer grand-chose. Mais si les Garen sont un peu plus centrés, ce qui est plus classique, si vous backlinez un peu comme ça vos unités, ça permet qu'ils aient plus de chances de s'infiltrer en Kobuko. En Kobuko, tu veux qu'ils se fassent taper quoi. C'est vraiment... Moi je dirais que c'est pas dingue qu'il soit en solo front, surtout que souvent en early, si tu le joues pour Winter Round, tu vas jouer avec Rek'Sai. C'est mieux peut-être que Rek'Sai soit un peu plus solo front. En fait, je pense que quand tu joues Rek'Sai et Kobuko, ce que tu veux faire, c'est bien de que Rek'Sai se fasse entourer et Kobuko, tu l'écartes un peu. C'est le Kobuko, tu le fais tanker un deuxième truc sur le côté et la Rek'Sai, elle se fait entourer et on est content. C'est ça, genre tu veux pas non plus le mettre derrière, mais t'as pas envie nécessairement qu'il se fasse trop solo front quoi. Tu veux genre rarement solo front un Kobuko, surtout quand tu joues avec un autre frontliner à côté. Sauf s'il a été misé par contre. S'il était misé, être solo front avec une stone plate et tous les HP qu'il a, ça peut avoir beaucoup de valeur. Kog'Maw, du coup, faut comprendre le targeting de Kog'Maw. En fait, il va toujours taper sur la cible dans sa range qui a le plus bas nombre d'HP flat. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un pourcentage HP, mais c'est le nombre d'HP réel. Si une unité a 100 HP, une autre qui en a 200, peu importe leur HP max, il va toujours taper la cible qui en a 100. Kog'Maw, surtout depuis son nerf, tu veux vraiment le mettre en face du carry adverse. Et par contre, Caitlyn, tu la mets à l'opposé, comme ça, il arrive plus vite sur le truc parce que traverser tout le board avec le scaling tous les trois cases c'est quasi impossible. Ok, donc là tu veux vraiment qu'il soit en face du carré adverse, c'est ça? Ouais. Malphite il tape en cône. Pour moi tu vois, pour le coup je trouve vraiment ça intéressant de mettre Malphite dans les corners pour que son cône il puisse taper deux cibles dans l'idéal. Ce corner peut être pas mal parce que du coup il tape souvent dans deux cibles en même temps. C'est bien d'essayer de value Malphite, mais souvent quand tu le joues t'auras plus tendance à passer par Evenly. Il vaut peut-être mieux l'utiliser juste comme un tank et s'il arrive à mettre ses dégâts correctement tant mieux. Si tu le mets sur un des côtés, ça veut dire que ton casier
Kha'Zix pourra pas s'infiltrer par exemple. C'est peut-être si on le joue en behemoth, il y a quelque chose à faire vis-à-vis de ça, faut penser à son spell en ouais. tout cas qui est un genre de mais clone. C'est vrai que c'est... Mais en s'il Evenly, a un petit c'est. item ou deux en stage 2, il peut taper correctement, donc faut pas non plus le mettre tout seul devant. Rek'Sai pour le coup c'est un des meilleurs persos early game à solo front, parce que contrairement à Jax, elle va stun toutes les cibles qui sont autour d'elle. On veut vraiment qu'il y ait le plus de cibles possible autour d'elle, et en plus elle gagne des résistances pendant son cast. Bruiser plus Dryad, donc elle a beaucoup de stats défensives early game, elle a beaucoup d'HP. Du coup il y a peu de chances qu'elle se fasse tuer en solo front, et elle rentabilise énormément le fait qu'il y ait beaucoup de cibles autour de son cast. Ouais, et c'est très intéressant de réussir à sniper la front adverse, de se mettre bien en face pour qu'elle se fasse entourer vite, parce que Rek'Sai fait aussi beaucoup de dégâts pour le stage 2. Si elle a un ou deux items, elle va rester en vie, et en plus, elle va faire des 200 dégâts à tout ce qu'il y a autour. Sivir, vous le savez sans doute, ses alliés autour d'elle vont gagner de l'attack speed quand elle cast. Première chose, il y a des gens qui pourraient penser que Sivir c'est seulement sur les côtés, mais même si elle est devant, elle va donner de l'attack speed derrière, devant, etc. Elle va vraiment donner de l'attack speed à tous ses alliés qui sont collés à elle. Si c'est une Sivir carry, on voudra souvent la mettre dans un corner pour qu'elle soit la dernière à mourir. La plupart du temps, on la joue en Story Weaver en transition. Ce qu'on veut faire, c'est de faire un rond tout autour d'elle avec les ranges qu'on a, et en early, le boost d'attack speed sera beaucoup de valeur, donc c'est pas très grave de pack nos unités. Plus on avance dans la partie, plus il faudra vraiment value le cast seulement sur les unités qui sont très puissantes pour éviter de créer des packs. Kai'Sa en late, on va éviter de mettre vraiment tout le monde autour de la Sivir comme ça, etc. On va juste mettre Sivir et Kai'Sa ensemble, et de l'autre côté, on peut mettre Teemo. Un Yasuo pour que ça soit un super tank. Il faut qu'il ait fated d'activer pour avoir son shield de début de partie. Ouais. Sachant que souvent on activera avec Thresh dans l'idéal en early. Ça lui donnera des résistances. Et Yasuo il fait des dégâts en fonction des résistances qu'il a. Ce qu'on veut faire généralement, c'est réussir à lui mettre une stone plate, des items qui value le fait qu'il soit solo front. On recule le Thresh derrière. Il va se shield à chaque fois. Donc il va donner énormément de valeur aux résistances qu'il a. Et en plus, ça va donner du DPS grâce à son passif. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que Aatrox il a du shred intégré. C'est pas un shred très puissant, c'est 20%. Mais et c'est un mono target. Il faut qu'il tape dans un tank qui est celui qu'on veut down. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi on le joue souvent du coup en Ghostly en early mid game. C'est bien de l'avoir en face d'une cible qu'on veut éliminer vite dans le fight, parce que Ghostly le but c'est de snowball le fight. Faut souvent le mettre devant son carry avec Senna. On aime bien avoir Aatrox vraiment devant, ou pas forcément juste devant, mais en tout cas pas loin. Et vu que c'est un tank qui sustain mais qui a pas de mécanique de tanking en plus, donc de résistance ou de shield, même s'il se heal, c'est quand même intéressant qu'il soit pas la première cible à se faire taper pour qu'il ait le temps de faire plusieurs casts. On veut c'est spread les dégâts pour qu'il prenne un peu de dégâts histoire de cast régulièrement, mais pas trop pour pas se faire one shot entre ces castes. Alors Gnar c'est intéressant parce que Gnar vous allez sans doute le jouer souvent en carry. Le but de Gnar c'est de réussir à stack son passif assez rapidement, donc il faut qu'il se fasse taper, mais il faut pas non plus qu'il se fasse one shot, sachant que les dangers de Gnar c'est le mono target, donc Ghostly et Kai'Sa. Il y a aussi Janna qui peut être dangereux. Du coup contre la plupart des matchups on voudra se mettre en face d'unités en tout cas pour qu'il stack son passif plus rapidement, et on fera attention à pas se mettre en face des Ghostly, de Kai'Sa ou d'autres unités qui ont beaucoup de mono target pour pas qu'il se fasse one shot avant d'avoir réussi à stack. Ce qu'on peut faire aussi simplement si on veut se mettre en face, ça peut arriver si on a un chaîne ou un Aatrox, c'est de juste reculer le Gnar d'une case, comme ça on pourra pas se faire avoir si l'adversaire arrive à se mettre en face de nous. L'objectif c'est vraiment juste qu'il se fasse pas one shot en début de fight. Janna elle va taper les unités les plus proches d'elle, la mettre du côté du carry adverse, ça peut être intéressant parce que le but ça va être du coup de voir assez vite dans le fight taper les carry adverses. Souvent quand on va jouer une compo Janna, on veut avoir un tank qui a assez de résistance pour que Janna puisse l'y cast en boucle dessus. L'idéal c'est de mettre son meilleur tank en face du meilleur carry ennemi et de mettre sa Janna derrière son meilleur tank, c'est celui qui va devenir celui avec le moins d'HP. Du coup Janna va le shield et elle va casse sur les unités qui sont en train de le taper. Ça fait qu'on va réussir à avancer avec sa front, et vu que c'est une compo front to back, c'est comme ça qu'on se positionne. Alors Kindred, moi ce que j'aime bien c'est qu'elle a un dash en fait où elle va essayer de reculer vis-à-vis de son adversaire. Et j'ai l'impression que le bug surtout, parce que des fois elle va un peu bugger, c'est au niveau de quand l'unité adverse est vraiment juste à côté d'elle. Donc s'il y a un Darius autour d'elle, des fois elle va dash un petit peu aléatoirement comme ça autour de lui. En fait il y a des règles de base qui sont assez précises, et le fait que Kindred elle tourne, c'est des fois à cause de toi, parce que les cases où elle voudrait dash en sécurité, t'as des champions alliés, surtout si t'as une Kindred carry, c'est de lui laisser de l'espace pour qu'elle puisse dash en boucle aux mêmes endroits de ton côté de... Ouais, de ton côté, ton côté du board, à la place qu'elle s'aventure par erreur, genre ne pas mettre le Azir juste derrière elle ou des trucs comme ça, tu vois. Alors Lux c'est intéressant parce que son positionnement il peut être vraiment clutch. Elle va toujours stun déjà les deux premières cibles qu'elle touche. Seulement deux cibles sont stun, et ensuite toutes les cibles qu'elle va pouvoir toucher avec son casque vont prendre des dégâts, mais des dégâts qui sont réduits à chaque fois qu'elle touche une nouvelle unité. On veut quand même essayer de sniper les carry adverses. Faut essayer de sniper le carry adverse en mettant bien en face, mais en même temps on essaye de faire en sorte qu'il n'y a pas trop de cibles qui soient sur le chemin. Nico, elle va réduire les dégâts qu'elle prend, elle va faire des dégâts aux adversaires
tiers, donc on aime bien qu'elle soit entourée un maximum. Souvent quand on joue Nico, on joue d'autres frontliners à côté, donc on va pas non plus la solo front. Si à côté on joue par exemple, ça peut être avec Illaoi qui est un arcaniste, Tam Kench si on joue, je sais pas, Bard, bah on va se retrouver à avoir ce genre de positionnement. On n'a pas envie de la solo front non plus, hein, même si elle, on veut qu'elle touche un max de monde, mais on va plutôt la mettre sur les corners en tout cas pour qu'elle puisse être entourée. On n'aime pas trop la mettre trop au centre entre nos tanks. Ce que j'aime bien faire, c'est ouais. Si elle a des items, de la laisser un peu se faire entourer pour avoir un peu plus de dégâts. Mm-hmm. Par contre, si elle a pas d'item, de la mettre sur un des côtés. Vu qu'elle a de la réduction de dégâts intégrée dans son sort, elle pourra temporiser un petit peu et ce sera pas non plus une unité qui sera one shot. Donc ça peut être intéressant si on a qu'une seule grosse unité tank, de la mettre sur une des extrémités en tout en gardant son tank au milieu. Elle peut tanker quelques autos ou même un casse de gnar et après elle redescend et elle meurt, mais au moins. Au moins elle a temporisé de fou quoi. Ouais. Qiyana, son positionnement, il va pas être si important que ça parce que dans tous les cas elle va dash pour se positionner pour taper le plus d'unités possible quand elle fait son cast. C'est aussi une unité qui est un peu squishy à la manière de Darius, c'est très similaire à Darius dont on parlait tout à l'heure. Donc je pense que Qiyana, faut juste pas trop la mettre en solo front, faut pas la mettre trop toute seule. Classiquement en early game, on va la jouer un petit peu avec des Evenly. La mettre entre les Evenly ou la mettre derrière, ça peut être intéressant. Par contre, si tu veux avoir une Qiyana très efficace, ouais. C'est pareil, on la mettra sur la case comme on a mis Kha'Zix tout à l'heure. Donc on la recule un petit peu et ça fait qu'elle peut réussir à faire une ligne sur les unités de front et ça améliore de ouf le DPS. Alors Riven, parce que c'est très simple, hein, c'est juste un tank. Riven, c'est un petit peu comme Aatrox, elle va se heal tous les 3 castes. Du coup, ce qu'on veut, c'est qu'elle prenne un petit peu de dégâts et qu'elle arrive à refaire quelques castes, surtout en début de partie. Par contre, en fin de partie, puisqu'elle aura tendance à se faire tuer partout et n'importe quoi, on peut la mettre sur des extrémités pour juste gratter un petit peu de temps. Pourquoi pas gratter de l'overkill. Par exemple, on a un Azir qui fait un cast à 1000 et que notre Riven elle a plus que 500 HP, on aura quand même gratté un peu de PV plutôt que le Azir tape sur le tank et sur Riven. Donc ça peut nous permettre de split un petit peu. Complètement. Alors Senna, c'est important de savoir que sur son cast, elle va donner de l'AD aux unités proches. Typiquement quand on joue une Shadow par exemple, la mettre à côté de Kai'Sa, ça peut être très puissant. En board de transition, on peut poser, tout à l'heure on l'a pas dit, mais comme pour Sivir, Senna ça fonctionne aussi. On peut mettre double Senna ou double Sivir si on n'a rien de mieux et on aura quand même le double boost d'AD et d'attaque speed. Ouais, les unités vont se booster entre elles, les deux Senna vont se donner de l'AD respectivement. Ça c'est sûr que ça peut être très intéressant. Si on a pas beaucoup d'options en early game et qu'on a deux Senna directement, Shen il va réduire les dégâts autour de lui. Du coup on aime bien le mettre à côté entre des unités qui tank. Il va aussi faire des dégâts assez importants sur ses autos grâce à son cast. N'hésitez pas à le mettre en face d'unités que vous voulez tuer assez vite en même temps, mais de pas faire en sorte que ce soit solo front. Ça c'est le pire truc à faire avec Shen, c'est de le mettre en solo front quand vous avez une frontline surtout Ghostly. Alors Teemo, faut juste qu'il meure le plus tard dans le fight possible parce que c'est une unité qui a juste besoin de temps pour faire ses casts, pour faire ses dégâts. Il fait énormément de dégâts mais qui prennent du temps à se mettre en place. Du coup faut vraiment le corner, faut vraiment le faire mourir le plus tard possible dans le fight. Ok, alors Yorick la merde. Y a rien à dire sur lui. Alors du coup pour Yorick, alors c'est un champion pourri. le mettez pas sur votre. Y a pas grand chose à dire sur le, pour le coup c'est l'un des seuls champions où y a pas beaucoup de choses à dire. Après les unités les plus proches, il va pas voler leur HP mais il va se heal avec en leur faisant des dégâts. Bien sûr on aime bien le mettre dans la case ombrale parce qu'il a tendance à pouvoir exécuter les cibles. Quand vous jouez ombrale vous pouvez le mettre dans la case pour qu'il les exécute. Zira, elle fait de l'anti-heal, ça peut être bien d'essayer d'optimiser ça. S'il y a des unités comme Volibear ou Yone en face qui vont vraiment se heal très très vite et très très fort, il faut voir les anti-heal avec Zira dans les games si possible. Ensuite, elle va envoyer des plantes qui tapent deux unités différentes. À part s'il reste qu'une seule unité en face, elle va toujours taper deux unités différentes. Ça va toujours être les unités les plus proches. Il faut juste la mettre en face des unités sur lesquelles on va faire des dégâts. Hein. Zira, c'est aussi un perso qui est. C'est pas du mono-target puisqu'elle tape les deux unités les plus proches, mais vu que c'est pas une AOE, ça veut aussi dire que son mono-target est assez puissant. Du coup, on peut essayer de clear des unités assez vite. Typiquement les mêlées on veut toujours se mettre devant pour l'anti-heal mais aussi pour les dégâts. Ce qu'on veut faire si on a une Zira avec des items, c'est qu'on veut essayer de clear les persos moins intéressants, les tanks qui sont pas optimisés en face, pour réussir à spread les autos de ces plantes. Et peut-être qu'on pourra réussir à taper la backlane s'il y a qu'un seul solo tank qui reste à la fin du combat. Ok, les trois costes. À l'une dans son positionnement, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'elle va donner de l'attaque speed à toutes les unités qui sont sur la même ligne que elle quand elle cast. Donc ça peut être intéressant si vous la jouez surtout à l'une genre un peu en transition, c'est-à-dire c'est pas votre carry principal, vous la jouez juste comme ça sur le côté, de l'avoir à côté de vos autres unités. Quand vous jouez en invoker par exemple, ça peut vraiment aider à Zira casse plus vite. Alors Amumu, c'est une unité qui est en train vraiment d'apparaître énormément au moment où on fait la vidéo. C'est vraiment un tank excellent. Alors on a deux choix comme pour Shen. Soit il est itemisé et du coup on préfère qu'il soit solo front, mais on mettra quand même des unités sur ses côtés pour qu'il puisse les heal. Tant que le heal n'est pas partagé, donc tout le monde prendra la même valeur, peu importe combien on est. Mm-hmm. On pourrait avoir par exemple une Illaoi itemisée à côté du Amumu, et dans ce cas-là, on voudra mettre le
la mému entre deux unités dès le début du combat pour qu'il puisse heal et rester en vie puisque ce sera pas le main tank. Alors Aphelios, c'est ce qu'on peut dire sur Aphelios en vrai. Tu pourrais avoir une Ashkari et vouloir poser Aphelios à côté, et du coup le fait que Aphelios shred, tu veux quand même qu'il soit proche de ton carry principal. Ouais, shred, on le rappelle, c'est la réduction de résistance. Toujours intéressant d'avoir les unités carry qui font le même type de dégâts l'un à côté de l'autre quand il y a du shred dedans. Ok, alors Bard. L'important c'est vraiment qu'il reste en vie le plus longtemps possible. On lui donne une double Guinzo. Même s'il a pas réussi à taper la cible qu'on voulait dès le début du combat, s'il arrive à rester en vie très longtemps, il y a une grande chance qu'il arrive à clear plus d'unités. Pour Diana, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de la mettre devant le plus gros carry adverse, puisqu'elle a une réduction de dégâts qui est quand même de 30%. Ça lui permet de tank les Ghostly, de tank des casts complets de Kaisa. Janna cast sur Diana, ça lui fait un shield en plus. Qui profite des réductions de dégâts. Si elle a été mise, on voudra toujours la mettre devant le plus gros carry adverse. Ilaoi, elle est très résistante, c'est un excellent tank. Maintenant, ce qu'il faut savoir avec juste Ilaoi, c'est qu'elle est ghostly aussi. Donc, quand elle se fait taper, elle va proc des ghosts. Ça peut être bien de la mettre devant d'autres carry. Et puisque c'est un Warden et qu'elle n'a pas d'utilitaire, Ilaoi commencera presque toujours le fight en première ligne. Soraka, là on parle un peu. Bon, du coup, on se retrouve sur un des tweets de Yaroi justement. N'hésitez pas à aller le follow sur Twitter. Une information tous les jours sur des optimisations que vous pouvez trouver sur TFT. Donc, c'est très en accord avec ce que moi je fais dans mes vidéos. C'est pour voir un petit peu le positionnement de Soraka. Soraka, elle va cibler le plus gros groupe d'ennemis dans sa range. Donc là, ce qui est sa range, c'est le cercle qui est représenté. Dans toute cette zone qui est rouge là, elle pourra toucher le plus gros groupe d'ennemis. Le positionnement deuxième ligne, si elle arrive à cast en backlane, ça dépendra plus d'une erreur d'un adversaire. Faut être attentif si l'adversaire a tendance à pack sa backlane. C'est utile si on a suffisamment de frontlane et des items sur Soraka, puisqu'elle est capable de mettre des casts en boucle dans la backlane et quand même de faire pas mal de dégâts. Deuxième solution, on a une Soraka qui est sans item. Elle va pack casse beaucoup dans le fight. Si elle était en backlane, elle aurait casse 2 voire 3 fois grand maximum. En front, elle castera peut-être qu'une fois, mais un seul cast sur des unités qui ont beaucoup de mana, typiquement Azir ou Zaya, ça peut être très impactant et c'est pour ça que ça peut être super clutch. Dernier truc avec Soraka, la mettez jamais dans les corners comme ça, j'en avais déjà parlé, mais mettez-la toujours au centre, voire une case en avant ici pour qu'elle ait le potentiel de toucher toutes les unités du board. Si vous la mettez sur un côté, vous baissez quand même grandement les chances qu'elle touche un gros groupe d'ennemis. Tabcatch, il va avoir un énorme burst en vrai, enfin un énorme burst. Il va avoir un burst très sympa, surtout quand il est 3 stars sur la cible qu'il est en train de target. Donc si vous avez un tank qui a pas beaucoup d'HP forcément et que vous avez un gros Tahmkench, ça peut être assez facile de le burst grâce à ça. N'hésitez pas à mettre Tahmkench directement en face, hein, bien en face sur la case d'un tank que vous voulez one shot vite dans le fight. Thresh, ça va être un tank qui est assez intéressant parce qu'il a des très bonnes stats de tankiness vis-à-vis du fait qu'il est behemoth, qu'il est fated et que du coup il va souvent bénéficier de bonnes stats tanky. Il a aussi un shield, donc on a vraiment envie de le mettre première ligne dans beaucoup de cas, mais faut pas oublier qu'il a 2 de range, donc on peut, comme on l'a dit tout à l'heure avec Yasuo, typiquement le mettre derrière le Yasuo, le positionner vis-à-vis de ça. Quand vous avez énormément de frontline, quand vous jouez par exemple, je sais pas, des setups potentiellement avec plein de behemoth, ça peut être bien de profiter du fait que lui il est deuxième ligne pour pas que vous ayez non plus trop d'unités frontline, trop de tanks sur le même endroit et qu'ils se marchent les uns sur les autres. Attends, ouais. Il y a des trucs de fou normalement, mais je retrouve mon doc. Mais non. Il peut être utile sur vraiment plus de choses grâce au fait qu'il ait 2 de range. Par exemple, imaginons il y a une grosse Caitlyn en face et c'est le seul danger du board adverse. Typiquement, ce serait en stage 2 ou stage 3. Il peut avoir beaucoup de valeur de mettre Thresh deuxième ligne parce que le premier cast, elle va tuer une unité, hop, elle est morte. Ça se fait tuer à l'auto et ou d'autres choses. Et là, Caitlyn commence à charger son deuxième cast, lui meurt et Thresh peut encaisser. Alors ouais, que si Thresh était en front, ici, typiquement, ou ici, bah notre carry, il prend l'ulti de plein fouet et il meurt. Il y a ça, il y a Lux aussi dans le matchup Fated. Lux qui peut vraiment one-shot le Aphelios ou la Syndra, c'est des choses qui peuvent arriver quand même assez fréquemment. Et il y a 2 trucs du coup avec Lux, c'est premier choix. Je mets mon Thresh là juste pour réduire les dégâts. Pourquoi s'embêter à faire aussi peu quand on peut faire quelque chose d'encore plus impactant? Imaginons l'ennemi a une unité ici, qui est 4 unités front, une là, une là, une là et une là. Ouais, ça arrive. Bon, ça fait 5, ça arrive. Bruiser, ok, hein. Si tu laisses ton Thresh ici, tu vas te faire taper par Lux. Sauf que il y a un tricks de fou. Alors, j'ai compris. Mais ton Thresh à droite, ouais, c'est ça. Là, ce sera l'unité la plus loin, normalement. Là, j'ai pas les cases exactes et sur le builder, c'est pas aussi précis qu'en jeu. Mais on peut utiliser Thresh pour counter des unités qui tapent le plus loin. Ça marche aussi de l'autre côté. Si on est comme ça, c'est un peu plus difficile à mettre en place parce qu'il n'y a pas le creux. Mais peut être très utile pour ça. Ok, alors Tristana, intéressant. Moi, je pense que Tristana, vous allez souvent le jouer dans un setup dueliste. Là, bon, on va dire que ça, c'est tous les duelistes que vous jouez. Ça peut être intéressant de mettre Tristana en deuxième ligne. Pourquoi déjà? Pour qu'elle ait un cast qui part légèrement plus vite. Puis souvent, vous allez jouer en late game avec Sage. C'est des choses qui peuvent arriver. Vous jouez Wukong, Janna, le genre d'unité que vous allez rentrer en late quand vous jouez dueliste. Et Sage, du coup, ça fait que vos unités frontline vont avoir de l'omnivamp, très très bonne stat sur les duelistes. Et Tristana, elle va beaucoup mieux profiter de l'omnivamp que de la paix. Et du coup, vous voulez vraiment que ce soit deuxième ligne. Parce que dans tous les cas, après, elle va cast sur quelqu'un, revenir le plus loin possible.
cible, et du coup elle aura toujours le mini-ramp, mais elle sera safe. Alors Voli, moi je pense que ce qui est intéressant, c'est de savoir quand est-ce que tu veux le mettre en side, ou est-ce que tu veux le mettre en intérieur, vis-à-vis du fait qu'il est Titan, et du coup c'est intéressant de stack sa Titan. Contre Kaisa, il faut faire attention quand même, si on n'a pas de BT, on peut se faire one shot sur un premier cast si elle est très bien itemisée. Kaisa en Ghostly, par contre, le souci c'est que si on se met pas en face de la Kaisa, on n'aura pas de meilleur tank que Voli en dueliste. Ouais. À moins d'avoir un Lee Sin tank, le problème c'est que si les Ghostly prennent l'avantage sur le reste du board, bah, notre Voli bien en fin de combat, il va se retrouver tout seul très vite et il va se faire one shot. Yone, c'est intéressant parce qu'il y a, je dirais, deux gros positionnements. Alors déjà, il y a une erreur de positionnement, je pense. Faut pratiquement jamais faire en sorte que Yone s'infiltre. Le problème, si Yone s'infiltre, c'est que, par exemple, en le positionnant comme ça, s'il arrive à se retrouver ici ou là, il va des fois faire des casts sur la front line. En fait, s'il est sur les carries, il va faire ses autos simples et normales sur les carries. Et après, quand il aura le moment, il fait son spell avec le buff d'attack speed, il va le faire sur la front line. Donc on perd beaucoup de la valeur de Yone qui a pour but de one shot les carries surtout. Yone, le but quand on le positionne, c'est que à partir du deuxième cast, on puisse aller en backlane. Ouais. Le premier cast, on arrivera rarement à aller en backlane dès le premier cast, puisque en milieu de partie, les adversaires ont tendance à mettre leurs carries sur les extrémités. Le premier cast, Yone va dash à 3 cases de sa case actuelle, sachant qu'il priorise toujours l'ennemi le plus loin à 3 cases. Pour le premier cast, du coup, ce sera un peu impactant. Par contre, pour le deuxième cast, puisqu'il gagne un de range à chaque fois, on pourra réussir à aller en backlane. On va dash à 4 cases, on regarde le plus loin, et ce sera toujours les corners. Du coup, le positionnement milieu est priorisé dans 80% des cas en mid-game. Par contre, quand la partie se resserre et qu'on peut savoir un peu plus qui on va tag, des fois l'adversaire, pour éviter justement de se faire tuer au deuxième cast parce qu'on a millionné middle, il va vouloir mettre lui son carry au milieu. Si on est au milieu, on n'arrivera pas à le toucher la plupart du temps. Pour éviter ça, on mettra Lyonnais sur un côté. Au premier cast, il ira taper dans la front lane vers le milieu. Et au deuxième cast, il sera capable d'aller sur l'unité adverse, donc là la Caitlyn qui est au milieu du board, et comme ça on pourra réussir à la tuer. Alors pour Zoé, ce qu'on veut faire, un peu comme pour Ghostly, on veut essayer de se mettre en face des unités les plus faibles pour accumuler les rebonds. A savoir que Zoé, à chaque fois qu'elle tue une unité, elle va avoir un rebond en plus sur son prochain cast qui fera moins de dégâts que le cast principal. Du coup, on veut essayer d'en accumuler le plus possible au début du combat. Comme ça, ça nous permet, après avoir clear les unités faibles, de faire des rebonds entre la front et la backlane et avoir une chance de clear le board comme ça. Alors Annie, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que son premier cast va stun les unités deux cases en radius, donc les unités qui sont même là, elles vont se faire stun. Donc elle a vraiment un très gros cast, en vrai un premier cast qui est vraiment très impactant, donc faut vraiment essayer de la mettre le plus possible en face de plus gros packs adverses dès le début du fight. Bien sûr, elle va aussi faire de l'anti-heal sur son cast, donc elle a un premier cast très efficace. Après, sur ses casts qui suivent, elle va pas stun, mais juste pour le premier cast, du coup il faut essayer de la positionner comme ça. Ashe, dans son cast, elle va toujours cast sur les 3 unités les plus proches. Il faut toujours prendre ça en compte, et qu'on veut essayer de faire des kills rapidement dans le fight, on peut la mettre d'un côté où il y a des tanks un peu plus squishy. On veut faire de toute façon avec Ashe, puisque c'est du front to back avec du scaling comme Bard. C'est simplement de faire en sorte qu'elle soit la dernière en vie et qu'elle ait eu le temps de scale pendant ce temps-là, et c'est comme ça que ça fonctionnera le mieux. Alors Galio, c'est pas mal. On aime bien qu'il prenne l'aggro en début de fight, pourquoi pas. Surtout, ce qu'il faut comprendre avec Galio, c'est qu'il crée ce qu'on appelle un aggro toggle. Donc il va y avoir des DPS en face, par exemple, là, qui vont taper ici dans le Tahmkench. Donc là, les deux Caitlyn tapent dans le Tahmkench. Le Tahmkench va prendre des dégâts, et quand Galio va cast, il va prendre l'aggro, et du coup, elles vont arrêter de taper le Tahmkench et elles vont taper le Galio. Et du coup, c'est beaucoup plus long pour l'adversaire de faire le premier kill, et ça permet de vraiment garder votre team en vie longtemps, d'avoir un Galio qui est pas celui qui se prend les dégâts en premier, mais bien celui qui récupère l'aggro quand il caste. Alors Kaisa, c'est un trick shot qui va avoir un très gros single target. Elle va faire énormément de dégâts quand même à sa cible première. Faut vraiment la mettre en face d'une unité dont on veut se débarrasser vite en face. Généralement, ce sera un carry melee ou le meilleur tank, et c'est du single target damage au point où elle est capable de 100% 0 un Yone par exemple, ouais. Un Yone 3. Ça peut être très intéressant d'essayer de suivre les Yone, suivre les Kayn dans ce genre de composition pour essayer de les one-shot. Alors Kayn, le perso est assez complexe à comprendre quand on lit pour la première fois. Il va d'abord avoir un premier cast où il fait une grosse explosion de dégâts. Les casts qui vont suivre vont faire moins de dégâts, mais vont être, on va dire, plus rapides aussi. Il faut essayer de le mettre pour sa première explosion de dégâts un peu centré sur le board, parce qu'il va la faire qu'une seule fois dans le fight. Ça, généralement, c'est le meilleur positionnement quand on joue en 4 Reaper, parce que Kayn va s'occuper de la front pendant que Yone va dash en backlane pour tuer les carries. Par contre, si on joue Kayn en Ghostly, c'est un petit peu différent, parce que si on le met au milieu du board, il aura pas les ressources nécessaires souvent en Ghostly pour survivre. Ou on veut plutôt le reculer, sachant qu'on a déjà des assez bons tanks avec Shen et Illaoi en Ghostly. Il s'infiltre très bien Kayn, hein, comme on a déjà dit avec Kha'Zix par exemple tout à l'heure. C'est une unité qui peut vraiment facilement s'infiltrer dans la backline et charger des carries assez vite. Lee Sin. Alors Lee Sin, une info qu'on peut avoir tendance à oublier, c'est que son cast mana arrive. Donc comme Soraka, ça va augmenter la mana, ralentir le cast adverse. Lee Sin, ça permet vraiment de counter set, ça permet de vraiment ralentir son premier cast. Ça peut être Nautilus aussi, Nautilus, vraiment un gros counter à Nautilus, ça ralentit beaucoup son premier cast. Parce que c'est des unités qui ont énormément de mana. Alors Lilia,
elle va toujours cast sur sa cible, sur ses premiers casts, et son cast final va être plein de petits casts qu'elle envoie sur les unités à l'opposé d'elle. On peut essayer de créer une ligne entre le tank et le carry adverse, parce que les premiers casts ne sont pas ciblés. On cible que le premier tank, et ensuite ça va faire une ligne droite. Du coup, si on se met en face, on a une chance de taper le carry comme ça, et de l'abîmer un petit peu. Le gros cast de l'IA, lui, les boules vont aller vers les unités, l'unité la plus loin d'elle, et ça va être ciblé pour le coup. Et c'est quand même important pour les premiers casts de réussir à créer une ligne pour pouvoir one shot dès le premier gros cast. Morgana, ça peut être un carry, donc simplement on essaie de la laisser en sécurité. Dans la plupart des compositions où on veut poser Morgana sur son board, on veut lui mettre soit un Morello, soit un Red Buff. On peut aussi vouloir la mettre en face d'un carry front ou du tank adverse, comme ça, même au moment où elle casse pas, elle applique quand même l'anti-heal sur l'unité. Ouais, faut le savoir, Morello c'est plus uniquement sur le spell, ça marche aussi sur les autos maintenant. Alors les gars, pour aider bien Nautilus, priez, puisqu'il fait jamais la même chose, ne respecte jamais les mêmes règles. Il est incompréhensible, cette unité, les gars, dites-vous, pendant tout le PBE, on a essayé de comprendre comment il fonctionnait, on a fait, surtout toi, t'as fait plein de théories sur comment ça allait marcher et tout, et bah, on n'a jamais vraiment réussi à comprendre 100%. La meilleure façon d'utiliser Nautilus, au final, même si on sait pas exactement la vraie règle, créer une ligne entre la front qu'il est en train d'auto et le carry derrière. On voudra souvent essayer de le mettre en face du carry. Alors, au lieu de le mettre comme ça, on va le mettre plutôt comme ça, ça fait plutôt une ligne vis-à-vis sur AK. Ouais, on essaie toujours de créer une ligne, après, c'est pas une science exacte, mais c'est a priori la meilleure solution pour avoir des castes qui arrivent sur une unité désirée. Alors Horn, c'est assez important. Horn va donner un item quand il caste à l'unité la plus proche de lui. Sauf que, bah, bien sûr, il peut pas donner un item sur une unité qui a déjà 3 items. Donc si vous avez un tank, un carry, et que vous avez déjà... pour une raison qui m'échappe, 3GS sur ce Time Cage par exemple. Quand Horn va cast, il va pas cast sur Time Cage, il va cast sur l'unité la plus proche. Et du coup, ça peut être cette Syndra. Sauf que par exemple, imaginons on a une vieille Harry pourrie ici. Il va caster, il va envoyer son item sur Harry. Et donc ça, il vaut mieux éviter. Donc on va espacer l'Harry. Et comme ça, on peut faire en sorte que Horn donne des items directement dans la backline. Même au niveau de la frontline, hein, il faut faire attention quand vous jouez, surtout Fated souvent. En mettant 7 ici, on sait que ça ira sur 7. En mettant 7 là-bas, on sait que ça ira sur Syndra. Et ce qu'on peut utiliser aussi, à la place d'un fabuleux Tamkench et avec 3GS souvent, c'est les porteurs de TG. En fait, si c'est un tank qui a 3 objets, ça sera bizarre de le mettre entre Horn et une autre unité, il perdra de la valeur de tanking. Et d'ailleurs, tous les techs qu'on vous donne à travers cette vidéo, c'est des bonnes idées de positionnement, mais relativisez toujours vis-à-vis de la cohérence de votre board, etc. N'appliquez juste pas bêtement tout ce qu'on vous dit, là, c'est juste des techniques. Alors, si là, c'est intéressant, parce qu'il s'infiltre assez facilement, au final, il dash autour de sa cible. Je crois qu'il y a des trucs vraiment pas mal à faire avec ça. Par exemple, je sais que ça peut counter 7, je crois que c'est les collègues qui a fait ça. Il a joué son Silas en face du 7, comme ça, le Silas s'est infiltré en tournant autour du 7, et du coup, 7 a casse dans sa propre backline. Ça c'est pour 7, c'est le plus impactant. Il y a quand même d'autres unités où ça peut être très utile, c'est contre des carry mêlés qui combattent à l'auto-attaque. Le meilleur exemple, c'est Volibear. On va faire dasher le Sylas sur le board adverse. Le Volibear souvent il sera sur une des extrémités. Et on met surtout le Sylas en face du Voli. On laisse quand même un tank à côté de Sylas pour éviter les infiltrations. Le Sylas va dash en face. Et le Voli va aller taper en face. Ça a l'air de rien comme ça, sauf que les quelques secondes que Voli va prendre à marcher, bah c'est peut-être des secondes où le Sylas va dash ailleurs, il va emmener un peu le Voli dans sa course. Ouais. Et pendant ce temps-là, on aura nos carrés qui seront en train de taper la front adverse. On abuse sur le Sylas qui s'en va à faire. Non, mais c'est pour qu'ils comprennent bien qu'ils se barrent. Si tu fais juste ça, ah, mais ouais. Mais genre là, quoi. Syndra, vous allez souvent la jouer en Fated ou en Arcanisme, hein, c'est simple, hein, c'est synergie. Mais vis-à-vis de la façon dont elle fonctionne, elle va toujours taper sa cible actuelle et elle va perdre très peu de DPS. On peut utiliser Syndra peut-être pour tuer les unités faibles en face, et ouais, comme ça on se retrouve à focus fire vers la fin du combat, le gros tank. Et si on a Aphelios, Syndra qui tape la même unité, on aura plus de chances de le tuer plutôt que lancer plein de casts dès le début du combat sur une unité que Syndra arrivera pas à tuer avant d'avoir un archange stacké ou d'avoir cast beaucoup de fois. Azir, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut faire attention avec son laser, parce que si on le met trop dans des sides, il peut faire un laser qui touche qu'une cible. On peut le mettre un peu plus au centre pour qu'il fasse des gardiens en fait. Son invocation, là, le gardien c'est un genre de mannequin. Il l'a créé à côté de la cible qui est sur laquelle il casse. Si on le met au centre, bah, son gardien va être au centre et sera plus d'impact parce que bah, du coup il aura plus de chances de se faire target. Alors que bah, s'il le met sur un côté, l'unité adverse peut tout simplement s'infiltrer et s'en foutre du gardien quoi. Alors, Wei, c'est simple, son cast en fait il est tellement optimisé. Il va toujours optimiser au max son cast pour toucher le plus de cibles possible. Bah, déjà, il va falloir
falloir faire attention à comment on positionne les unités autour de Wei. On met toutes nos unités ultra espacées, et ben ça va faire un peu des castes beaucoup plus aléatoires, on va dire. Alors que si on les regroupe un petit peu, on a plus de chances que tout le monde se fasse heal et qu'on touche le plus possible du pack adverse. Son cast à Wei, ça va toujours être sur un point qui a une range où il y a le plus d'ennemis et d'alliés regroupés. Donc il va toucher tout simplement le plus de cibles possible. Il va calculer l'endroit où il y a le plus de cibles, leur cast dessus, que ce soit allié ou ennemi. Ok, bon, Lissandra, du coup, Lissandra, ce qui est important, c'est de comprendre que son cast a un impact énorme. Déjà, bon, c'est beaucoup de dégâts, certes, mais bien sûr, ça va envoyer l'unité que vous êtes en train de target dans la backline et la CC pendant un très très longtemps. C'est important de mettre bien Lissandra en face de l'unité que vous voulez CC en premier dans le fight. Ça peut être très utile aussi, hein, comme d'habitude, contre Yone, contre Volibear, c'est le genre d'unités qui sont des frontline carry, mais qui jouent assez rarement avec QSS quand même. Du coup, ça vous permet de la positionner comme ça. Elle a bien deux de range. Rakan, alors Rakan, il va toujours positionner, il va toujours cast à l'endroit où il y a le plus d'adversaires. Donc, c'est un peu comme Wei, sauf que c'est pas le nombre d'unités totales, c'est le nombre d'adversaires. Il va réduire les dégâts que les adversaires font. Donc, ça peut être bien potentiellement d'espacer un peu sa front, de sorte à que la front adverse s'espace elle-même. Comme ça, il peut taper dans les backline pack s'il y en a. Ce qui est bien avec Ornn, c'est que si le Rakan n'a pas trop de starting mana, au moment où il va s'envoler, c'est le moment où Ornn aura cast pour lui donner l'item, et du coup, c'est assez bien synchronisé ensemble. Ouais, du coup, pour son cast, il profite des stats de l'item de Ornn. Alors, 7, bien sûr, on veut le mettre un peu à la manière de Lissandra en face de l'unité que vous voulez cesser, hein, c'est important. C'est bien de penser à son passif et de lui mettre un maximum de stats à travers la game, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de setups, et surtout les setups qui sont pas fêtés, je pense. C'est pas si important que ça, dans les derniers rounds, de le positionner autour d'autres tanks. Vous pouvez le mettre un peu solo si c'est pour le bouger les dernières secondes, vraiment niquer un laner adverse. On a parlé de Lissandra, on a parlé de Sylas, qui peuvent potentiellement se débarrasser de set assez vite dans le fight pour justement pas qu'il vous fasse un casse impactant. Mais il y a une autre unité qui est Udyr, qui va vraiment s'occuper de counter facilement le set. Souvent Udyr va pratiquement tout le temps d'ailleurs caster avant le set, aller dans la backline, le set va garder le focus sur Udyr et va casse dans sa propre backline. Donc ça c'est vraiment une tech qui arrive énormément et qui est très utile en late game. Et maintenant, dans le sens opposé, comment optimiser un très très bon casse de set? Il y a deux scénarios, contre Ornn et contre Galio. Ornn et Galio, au moment où ils castent, sont insensibles au déplacement, ce qui fait que le set va quand même prendre en compte les HP des deux unités, mais il va s'envoler avec personne. Donc au moment où il va atterrir, il faudra qu'il choisisse une cible. Et vu qu'il raterrit plus proche de la backline que de la front, et ben il va devoir se retrouver à côté des carries et il va commencer à les auto. Il a quand même pas mal d'AD, donc même si le set a pas un stuff de DPS, il pourra quand même réussir à les tuer. Et s'il les tue pas à l'auto, il va leur recasse dessus s'il a encore assez d'HP, et ça aura énormément de valeur, bien plus que d'emmener le Ornn, taper le Ornn en backline. Et bien là, on va directement taper les carries. Ok, Udyr. Alors Udyr, il y a vraiment un gros trick, principalement pour counter Udyr, mais du coup ça peut vous être utile aussi pour jouer Udyr. C'est la façon dont vous appréhendez les frontlines adverses. En fait, Udyr, faut comprendre son cast. Quand il cast, il va à travers sa cible. Et une fois qu'il est à travers, je crois que c'est 3... Je sais pas si c'est 2 ou 3 cases, mais en gros, j'ai l'impression que c'est un peu entre les deux. Et ensuite, il voit la cible qui est le plus proche de lui. Et du coup, si il fait un cast bien droit comme ça, où vraiment il arrive directement au backline, et bah il va souvent transporter, ensuite il va stun le carry. Et donc c'est pour ça que quand vous jouez contre un Udyr, évitez de positionner comme ça, de positionner vraiment sur le côté, parce que Udyr du coup va trop facilement accéder à votre carry, et ça va être très compliqué de gagner le fight. Et c'est au point où le positionnement que t'as montré juste avant, de l'autre côté de la carte, quand on joue Udyr, en fait, cette case, si l'adversaire fait l'erreur de se positionner comme ça, vous aurez presque automatiquement gagner le fight, parce que le positionnement précis fait que Udyr va toujours attraper la Harry, toujours. Il y a d'autres unités qui sont devant Harry, ce qui a peu de chances d'arriver puisque les ennemis vont les avoir spread d'ailleurs. Ce positionnement là de ce côté là et de l'autre en miroir aussi va faire que Udyr va toujours réussir à attraper la Harry, et ça vous assure presque le fight à 100%. Parce que même avec un Udyr 1, une fois qu'il est en passif, il arrivera régulièrement à tuer le carry adverse, sauf s'il a énormément de résistance, il fera rarement le cas. Du coup, pour counter ça, ce qu'il va falloir faire, c'est positionner vos tanks le plus centré possible. Comme ça, Udyr, qui va toujours faire une ligne vis-à-vis entre lui et le tank adverse, bah, il va se retrouver au milieu du board, et là, pour le coup, il va souvent grab un tank. Bon, ça aura quand même de l'impact dans le fight, mais ce sera pas du tout le même impact que d'aller one-shot un carry. Alors, Wukong, il est un peu squishy, et ce qui va surtout avoir de l'impact dans ses casts, c'est le troisième cast. Enfin, le premier, c'est un bon CC quand même, et le deuxième fait des bons dégâts, mais le troisième, c'est de loin le plus de dégâts. Du coup, vous voulez quand même qu'il fasse au moins une rotation de spell, le Wukong, pour qu'il ait un gros potentiel de burst, surtout sur la backline. Donc il va falloir un petit peu à la manière de ce dont on parle depuis tout à l'heure au niveau de l'infiltration, le mettre une case en arrière s'il n'est pas niveau 2 avec des gros items comme BT, GA, etc. S'il est vraiment un petit peu dans un setup de transition où il n'est pas encore très fort, n'hésitez pas à le reculer un petit peu. Ça c'est pour value un Wukong avec des items. Malgré tout, un Wukong sans item, sachant qu'il rentre quand même dans beaucoup de setups de par simplement ses synergies. Le tout premier cast de Wukong, où il tape une unité en mono-target, c'est écrit que ça stun, sauf que dans les faits ça bump. Et le temps que
l'unité prend à retomber, c'est peut-être seulement visuel, mais d'après moi, ça cessait un peu plus longtemps que le stun. Ouais. Mettre un CC de 1,5 secondes sur une unité dès le début du combat, c'est énorme. Xayah, c'est un très bon DPS. Après, comme son spell l'indique, il va falloir la mettre à côté des unités que vous voulez DPS le plus avec le plus de priorité. Elle va envoyer vraiment ses spells sur les unités les plus proches toujours. Comme Kaisa, qui est aussi un trick shot, c'est du burst. Donc ouais. Ce qu'on veut, c'est de pouvoir tout le temps se mettre devant les unités qu'on veut tuer très tôt. Et de pas gaspiller son cas sur des unités qui ont peu d'HP, puisque Xayah a beaucoup de mana, donc généralement elle mettra que deux cases dans un fight, voire trois s'il est vraiment long, mais il faut que chaque case soit impactant. Merci d'avoir suivi les mecs, en tout cas n'hésitez pas à aller me follow sur Twitch comme d'habitude, et n'hésitez pas aussi à aller follow Yaroy, je pense sur Twitter principalement, à Yaroy_TFT. Vous allez avoir beaucoup d'informations sur le jeu, et vous allez pouvoir suivre son actualité sur le set. À la prochaine, salut tout le monde.